Hello, hello, c'est Chêne Glacier, voilà, sur Dagon, la suite. Alors, ça fait un moment que j'y ai pas joué, je sais pas où j'en suis, mais on va retrouver le filon. Allez, parti. Je me rappelle plus trop où j'étais. Tellement de parties dans ce jeu-là. La carte est très, très grande. Par contre, c'est un jeu excellent. Hein. Et vraiment, vraiment. Bon, comme tous les jeux, hein, il y a des. Hein. Et, ça reste vraiment un très, très bon jeu. Pour le jeu de mort-vivant, moi, j'en ai pas joué beaucoup, énormément de jeux de mort-vivant. Et il est vraiment. Alors après, je peux avoir War Z. Car encore. Hein. Hein, là, j'apprécie. Hey Dick, t'es là? J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Je suis là, Schizo. Tu veux quoi? Je suis occupé. Ah oui, je vais. Écoute, je sais que t'essaies d'aider le camp et moi, j'essaie de t'aider à aider le camp. Retrouve-moi derrière le chalet. Terminé. Putain, Schizo, ça a intérêt de valoir le coup. Et alors, moto, je pense. Allez, on va aller voir où c'est. En moto, vraiment. Bon, ben me voilà, qu'est-ce que tu veux? Attends. Viens, entre. Schizo, qu'est-ce qui se passe? Je te montrerai si tu entres. Dans le traquenard. J'ai réfléchi à ta petite idée. Celle qui consiste à sceller la grotte au nord du camp pour empêcher les hordes de traverser nos cultures. Ok. Le souci, c'est que Mike a pas de cordon de détonateur, c'est bien ça? C'est ça. Je sais où tu peux en trouver. Oula. Juste ici. Non. Je sais ce que tu te dis, je sais. Non, c'est okay en plein dans le territoire des Reapers. La dernière fois que j'y suis allé... Des médocs qui ont sauvé non. Ton pote. Écoute, on chope les cordons, on fait sauter la grotte et boum, plus de hordes. C'était ton idée, putain! Écoute, ils ont scellé cette putain de frontière et cette saleté de tunnel. Si je mets les pieds là-bas, je déclencherai une guerre. Mais j'ai un plan. Et en plus, je viens avec toi. Je couvrirai tes arrières. Prends un maximum de matos, d'accord? On en aura peut-être pas besoin, mais restons prudents. Et puis rejoins-moi. Ici. Il y a un sentier qui traverse Iron Ridge. Et de quoi tu parles? Et confiance. Nom de Dieu. T'en es? À tout à l'heure. Ah, c'est une bonne idée qu'il a, hein. Alors.
chiant pour s'orienter. Par là. John, bonne chance à toi. De côté. Allez, de. J'y serai. Dick, ici Lost Lake. Tu me reçois? Salut, Ricky. Je te cherchais. L'électricité est enfin revenue un peu partout dans le coin. Et dans ma cabane. Super. Hey, je... J'ai même trouvé un vieux chauffe-eau en état de marche. Je vais l'avoir, ma douche chaude. Super, super. Hé, hey, où tu es? Écoute, Schizo et moi, on va chercher des cordons de détonateur pour les explosifs, tu sais, pour condamner les grottes. Ça? Le seul endroit où on peut trouver des cordons de détonateur, c'est... Ricky, ça coupe, je t'entends mal. Je te rappelle plus tard. Dès qu'on sera rentré, t'inquiète. Super, on est arrivé au point. On va le récupérer. Hé, qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qu'on va faire. On va passer par leur porte de derrière. Quoi, à pied? Tu m'as pas dit qu'on y allait à pied. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que t'as sorti ta pétrolette? Pas faux. Hé, ils y verront du feu. Ouais, j'ai du mal à y croire. En fait, Iron Mike m'a dit qu'il t'a chargé de parlementer avec Carlos. Attends, le vieux te l'a dit? Non, c'est bon. Ok, j'imagine que c'est pas grave que tu sois au parfum. Que ton pote et toi faites partie du camp maintenant. Ça a dû bien se passer, vu ce qu'on est en train de faire. T'appelles ça comment, déjà, hein? Passer par la porte de derrière? Quoi, la rencontre? Ouais, ça s'est passé nickel. Autant essayer de négocier avec des macaques sous PCP. Mais tu sais quoi? Tant qu'on se fait pas pincer ce soir, le traité du vieux pourrait bien tenir, en fin de compte. Malgré la prise de bec qu'on a eue avec eux au camp Rogue, Boozer et moi? Hé, Carlos a dit que c'était un malentendu. Des Reapers rebelles, tu vois le truc? De toute façon, il a dit que ça se reproduirait plus. Et tu le crois? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis juste un larbin de Mike, comme toi. Merde! T'as entendu? Ouais, des loups. Tu crois qu'ils sont infectés? On va vite le savoir. Comment t'es passé l'autre fois? Il y avait une vieille échelle en bois laissée par des mineurs ou des spéléologues, je sais pas trop. Viens, par là, fais-moi la courte échelle. T'es prêt? Ouais. Vas-y. C'est bon, fouille les environs. Essaye de trouver l'échelle. Moi, je vais jeter un œil ici. Ok. Mais mange-toi, faut qu'on ait quitté le territoire des Reapers avant l'aube. Ah bon, t'as d'autres coupes dans ce genre? Attention, les loups! Je m'en occupe! Ah,
attention. T'es passé où ? Minute, je l'ai trouvé. Ouais, ça me rapportera des crédits. Attention à la tête. Ok. J'ai trouvé une carte dans les papiers de Mike. Elle indique des sentiers de la direction des eaux et forêts. Je suis sûr qu'Iron Mike approuve que tu fouilles dans ses affaires. Tu sais ce qu'on dit, pas vu, pas pris. C'est ça. Bref, on voit que le sentier est en mauvais état. Il a été marqué comme fermé sur la carte. Ça. Ouais, un feu de voix des Reapers. T'en avais déjà vu avant ? Non. Ils appellent ça la communion. Pareil qu'ils font tout un tas de trucs dégueulasses. Ha. On va le contourner, je veux pas voir ça. Tu déconnes, moi je veux voir. Hein ? Tu veux mourir ou quoi ? Plus maintenant. Écoute, je veux juste voir de mes propres yeux ce que font ces fils de pute avec leur histoire de renoncement, toutes ces conneries. Ok, ok. Mais on reste ensemble. Si on se sépare, on sera dans une merde noire. Après toi. Scarification. Ouais. Je connais un gars qui avait passé un de leurs rituels ou je sais pas quoi. Il a dit qu'ils étaient défoncés au PCP ou à un truc dans le genre. Ils ressentent plus la douleur. Bon, on va faire le tour. Tu lis dans mes pensées. T'as déjà vu un truc pareil ? Non, jamais comme ça. Moi non plus. C'est pour ça qu'il faut pas se montrer. Si on se fait choper, on n'aura pas assez de balles pour tout le monde. Ah, clairement pas. Baisse-toi. Merde. Faut qu'on s'éloigne de la route. Ouais. Viens, on se taille dans la pampa. T'es sûr que tu sais où tu vas ? C'est moi. Attends, t'es sûr que c'est par là ? Ouais, pourquoi ? Je venais par ici, en moto, à l'époque. Quoi ? Ma régulière bossait dans le coin. Il y avait un labo de recherche à l'est d'Iron Butte Lodge. Bref, je venais par là. Je t'assure que le site de transport est de l'autre côté. On continue par là. Tu verras, c'est par ici.
C'est quoi ça? Les Reapers. Ils utilisent des cornes de brume pour attirer les mutants. Viens. Là. Rejoignez-nous, soyez libres. Va vous couper. C'est quoi ça? Supprimez cette peine. Viens ressentir la douleur. Bordel de merde. Non, non. Fous-leur la PLS, on n'est pas ici pour déclencher. Attends une seconde, rien qu'une seconde. Viens, aidez-moi. Amène-toi, faut qu'on bouge. Non, 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 on va pas la laisser aux mutants. Quoi? Non. Hé, hey, on est... On part pas sans elle. On n'est pas venu ici pour ça, d'accord? Et merde. Bon, ok. 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 Je l'ai. Elle a les jambes cassées. Elle ira nulle part, mec. On peut pas moisir ici. Alors vas-y. Hé, petite. Tout va bien se passer. Tout va bien, ça va aller. Chut, ça va aller, tout va bien se passer. C'est fini, voilà. Pas le choix, hein. Tu peux pas l'évacuer, tu peux rien faire. Y'a tout. Pas la passer. Lâche-moi. Alors j'espère que c'est un endroit putain, où il allait découvrir. Ah putain, quoi, oh, quoi. Ah, il y a un partout. C'est une putain de horde. Non, ça c'est pas une horde. Putain, c'est quoi là? Des Reapers. Allez, on y va, bouge. Ah, les Reapers. Taré, ces mecs. T'as déjà vu leur chef, Carlos? Non. Il a l'air encore plus dingue. Il a des cicatrices partout, dans le dos, sur les bras et les jambes. C'est ce que je répète à Mike. On peut pas avoir un traité avec des cinglés. Je te l'ai déjà dit, Schizo, je me retournerai pas contre Iron Mike. Viens, il doit y avoir une autre entrée. Hé, hey, attends. Jetons d'abord un œil. De quoi tu parles? Bien, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Alors jetons un coup d'œil. On trouvera peut-être des trucs utiles. Ouais, pourquoi pas. Fouille un peu et vois si tu dégotes quelque chose. Toi, tu vas bien me servir. Qu'est-ce que t'en dis? On essaie cette porte? Ça s'ouvre pas. Attends, ralentis, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
À cette heure-ci, il n'y aura personne. T'inquiète. Oh putain, et merde! J'ai rien compris. Il m'est tombé dessus en un éclair. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Eh, Dick. Je t'en dois une. Je suis sérieux. Ah, c'est rien. Occupons-nous de trouver les cordons. Eh, viens m'aider. On peut passer par ici. Non, je le sens moyen. Dépêche. Ok. Tu comptes toujours rentrer? Est-ce qu'on a le choix? Ouais. Tire! Passe en dessous, je tiens! Non, non, toi t'y vas! Moi je tiens! Allez! Allez, allez! Tiens-la pour moi! Oh, oh merde! Oh, putain! Oh, c'est bloqué! Tire! Ok. Non, non, c'est bon. Ok. Fais le tour. Je vais tâcher d'ouvrir l'autre porte à l'intérieur. Dick. Dick. Ah!
Putain, c'est quoi? J'étais enfermé avec une bande de tétards enragés. À ton avis, c'est pas c'est quoi? Ouh. Un petit coup. Oh. C'était pas si dur. Voilà, voilà, c'est ouvert. Putain. Ça va? Ouais, c'est juste un tétard, pas vrai. Amène-toi, on ferait mieux de trouver des cordons détonateurs. T'en penses quoi? Le bureau du contremaître est là-haut. C'est là qu'il devait les ranger. Génial. Comment on va monter là-haut? Viens, je vais te faire la courte échelle. Attends, attends. Tu veux que je passe le premier au cas où il y aurait des trucs en haut? Oh, t'as vu clair dans mon jeu. Allez, grouille. Ouais, d'accord. Bon. T'es prêt? Ouais. Monte. Allez. Monte. Oh, la vache! Ok, j'y suis. Deux secondes. Trouve un truc qui me permette de monter. Tiens, attention à la tête. Voilà. On va finir par trouver. Et voilà. Eh, ça doit être ça. Bingo. Tiens, ça ouvert pendant que je me sers. Pourquoi c'est pas moi qui le prends? Tu me fais toujours pas confiance? Bah en fait... Si. Allez, viens, on a assez traîné ici. Schizo, je voulais juste te remercier. Non, c'est rien. M'avoir accompagné, m'avoir aidé. C'est bon, arrête. Non, je suis sérieux. On n'était pas franchement les bienvenus à Lost Lake. Oublie ça.